On est parti pour ce nouveau live de Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours bleu. Le nom n'est pas du tout à rallonge. Aventure 33. 33 quand même, hein. Alors, ouais. Ok, alors, il faut que je ramène une châtaigne sans bug. Quel but, ok? Alors, est-ce qu'on a des missions? Prendre le courrier, bois sinistre, grand ravin. Recherche gelée verte à l'étage 11. Je vais commencer par aller prendre les missions de Bekipan. J'ai combien de thunes? Ouais, j'ai pas de thunes. Encore petit bois! C'est de la merde ça. Mont glacial. Grotte Lapi, il y en a quand même deux. Allez, on va aller à la grotte Lapi. Trouver Ratata. Sauver mon enfant. Trouver Elekid. Je l'ai grise, ok. Mais qui vais-je prendre dans l'équipe? Alors... Allez tiens, on va prendre absolument. Ou non, on va prendre gland. Non, on va prendre absolument. Il est stylé. Voilà. Je vais même voir si on peut en prendre d'autres. Absolument et... Ah non, comme ça on peut en engager un nouveau. Grotte Lapi, hein. Bon. Je vous préviens, le live risque d'être un peu moins long. J'ai un peu la flemme, je vous avoue, de jouer au jeu. Là. On verra, peut-être que ça va changer s'il se passe quelque chose de spécial. On verra. Merde, j'ai même pas... Est-ce que j'ai pris des pommes? Il fait mal. Oh! On se calme, là. Objet. Pomme géante. Ah oui, j'avais préparé, c'est bon. Niveau 22, on va lui donner... Bon, j'aime bien donner au... Oh là là! Absolument qu'il a absolument tué. Tout. Aïe. Je vais juste prévenir. Je suis en live. Je te préviens comme ça. Sinon, tu n'as pas les notifs. Voilà. Ah oui, comme par hasard, il attaque bien. Mais arrête! Prends ça, enfoiré.
C'est hardcore la confusion. Ah d'accord, j'ai fini d'explorer. Parce que là, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait là? Un autre chemin, ok. Ah oui, je pensais aussi à écrire un petit message là, désolé. Voilà, je suis désolé, j'arrête de d'écrire des messages. Ah bah voilà, Miss Neko est là. Salut à toi. Est-ce que j'ai bien fait de t'écrire en... directement? Pour que tu aies une notification directe. Ah, bah les prochaines fois je le ferai aussi alors. D'accord. Bon, je pense que le live sera pas trop long, comme je l'expliquais avant, parce que j'ai un peu la flemme de jouer là aujourd'hui à Pokémon. À moins qu'il se passe un événement particulier qui rende le jeu un petit peu plus interactif ou qu'il se passe un truc, tu vois. Parce que là, les missions sont un peu répétitives, somme toute. Il faut juste aller dans le donjon. Voilà, voilà. Recrutement. Ok, il n'y a aucun Pokémon qu'on peut recruter ici. Ça donne pas d'XP. Tu as passé une bonne semaine sinon, Miss Neko ? Oups, je ne voulais pas faire ça. Merde. Je tiens à te le dire, Josio, je vais être l'un des Pokémon que tu utiliseras dans ta quête. Ok. Eh bien, on essaiera de te trouver un Pokémon sympathique qu'on utilisera. On va faire ça. De préférence un chat quand même, hein, si tu t'appelles Miss Neko. Oh non, la fin de tes vacances. Les vacances qui tombent sur l'ascension, sérieux? Ah, pense que lundi, dans 10 jours, tu auras un petit jour de congé. Déjà, il faudrait qu'il y ait des Pokémon qui veuillent nous rejoindre. Oh, Nidorina, Nidorino, Lumivol. Est-ce que l'un des trois te plairait? Bon, ce sont pas des Pokémon que j'utiliserai très souvent. Ça, c'est le problème, quoi. Oh là là. Attraction, gelée rouge. Genre, y'a Hélène qui est là. Ils avaient décalé exploit et vacances pour tomber dans la semaine des ponts. Mais c'est dégueulasse de faire ça. Ok, bah ça tombe bien parce que je les aime pas non plus. Quoi? What the fuck, Hélène, allô? Que se passe-t-il, Hélène? Non! Ah bah parfait. Ah, pourquoi il le range? Bacayero! Ah bah parfait. Ça va me motiver à explorer, de trouver des pommes. Ah d'accord, la maladie te rend folle. Ah, je pensais pas que tu serais là aussi tard. Et tu mangeais le caca des gens? Lee Koons. Mardi et mercredi prochain, tu as deux épreuves de bac qui sont en plus des oraux. Ah, tu passes le bac! Eh bien, bon courage.
C'est vrai que c'est la période du bac bientôt là. Je me rappelle jamais le bac. C'est pas en... T'as pas certaines épreuves du bac en première et d'autres en terminale? Absol, mais qu'est-ce que tu fous? Baka. Oh là là, charme. Dans un mois, t'es en vacances. Putain, mais ça me rappelle à l'époque où j'étais à l'école. Nous, on finissait fin juin. Alors que les Français, ils terminaient en début juin, voire fin mai, quoi. Ça me tuait. Oh, on pourrait l'apprendre à... Est-ce qu'on n'apprendrait pas attraction à absolument? J'ai passé mon français et mon histoire en première. Ah, tu es en terminale. Donc... Tu sais, comme je suis en Suisse, c'est très différent chez nous. Et tu sais déjà ce que tu vas faire après le bac, l'année prochaine? Ah, il est 19h56 ici. C'est la même heure que chez vous. C'est juste qu'on n'a pas le même système d'éducation. Tout, 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 tout. En BTS système numérique. Alors ça me dit rien du tout. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse à cet étage? Sauver Ratata, il faut que je trouve un Ratata. Ok. Te plains pas, il y a 4 ans, ces bâtards, ils ont commencé à nous faire bosser le mercredi. Bah, moi, j'ai toujours travaillé le mercredi, hein. À l'école primaire comme à l'école secondaire. J'étais dans une école un peu spéciale. On avait cours le mercredi. C'est bizarre, il y a des fois des effets, je comprends pas à quoi ils servent. Lumivol, il avait l'air d'être buffé. Ah, Ratata. Oui. Non. Non, je ne veux pas rentrer. Oui, je veux... Mais ils sont chiants de demander de valider 3 fois. Moi, c'est que au lycée que j'avais mercredi. Oui, alors nous aussi. Enfin, au niveau du... À partir du collège en Suisse, donc, enfin non. Nous, c'est ce qu'on appelle dans ma ville le cycle d'orientation. Après l'école primaire, il y a le cycle d'orientation, c'est l'équivalent de votre collège à vous. À partir de là, tout le monde a cours le mercredi matin jusqu'à midi. Et après, au niveau de ce qu'on appelle le collège chez nous, c'est votre lycée. Là, on peut avoir des horaires très... Enfin, on peut avoir des horaires où des fois on a des trous, des trucs comme ça. Ah, qu'est-ce que je fais? Attends, je vais juste voir un truc. Tac. N'empêche, depuis que j'ai ce ruban effort là, la fin elle vient jamais, hein. Alors, capacité. On va sectionner ça. Ah, il nous rejoint. Lumivol. Alors, est-ce que vous avez une idée pour appeler ce Lumivol? Une idée de surnom? Si vous avez pas d'idée. Moi le mercredi c'est frustrant car je commence à 11h et je termine. Ouais, en gros tu dois venir que pour une heure quoi.
entre mardi et jeudi, c'était un calvaire de venir en cours que pour une... Ouais, c'est trop chiant. Ça, c'était vraiment les trucs relous, quoi. Lumiviol. Oh. Nullivol. Oh, ça rentre pas. Qu'est-ce que vous en pensez de Nullivol? Ah oui, mais c'est vrai, parce que vous avez congé le mardi 8... Enfin, le 8 mai. Le jour de mon anniversaire, quoi. Oh, c'est bien ça, Nullivol. Très, très bien. Allez. Je prends... Let's go, Nullivol. Niveau 15, quelles sont ses capacités? Alors, rayon lune. Oh, restaure les PV du lanceur et les membres de l'équipe se trouvant à l'étage. Tellement bien. Ah, merci. Trop trop bien ça. Baisse de 2 niveaux l'attaque de la cible. Baisse d'un niveau l'esquive des ennemis se trouvant à salle. Franchement, il a des... C'est quand même un bon Pokémon de soutien. Oui, je crois que vous me l'aviez sauté sur le Discord. Il me semble. Alors, QI. Mettre des capacités. Est capable d'utiliser ou de lancer l'objet qui tient. Ok. On va lui donner une baie hein. Allez, c'est parti. Dans 7 mois. Donc tu es du... Mais pourquoi tu fais ça? Abruti. Ah, t'es vraiment nul, Evil, hein. Pourquoi? Y'a même pas besoin de le faire. En janvier. Ah oui, merde. Mais non, dans 7 mois, on est en décembre. Donc dans 8 mois. Ah, la fin commence à se faire ressentir. Je suis du mois de septembre, Miss Neko. Nidorino, reviens là. Oh là là, tous les Pokémon se sont barrés. Dans 4 mois exactement. Donc tu es du 11 septembre. Ah, 11 septembre. Attends. Attends, Miss Neko. Tu vas avoir quel âge cette année? Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça, Miss Neko. Ah! Parce que... Si tu es né... Si tu avais été né le 11 septembre 2001... Et peut-être que c'est 2000... Ah, voilà, 2000. J'allais dire, si t'étais né le 11 septembre 2001, au moins il sera passé une bonne chose ce jour-là. Allez! Majorité. Ah là là. La majorité. Quand on est ado, on a envie de devenir adulte, mais quand on est adulte, on regrette de ne plus être ado. Enfin, peut-être pas de ne plus être ado, mais de... Franchement, la vie adulte n'a pas que des... N'a pas que des choses positives, hein. Oh, il fait racine, l'enfoiré. Ah, est-ce qu'on peut récupérer un sac de nœuds ici? On peut recruter sac de nœuds! Les stats de absolument restent inchangés. Mais il est pas très grand ce donjon en fait, hein. Les salles sont très... très petites. Profite de ta jeunesse. Enfin, profitez
tous les deux, hein, Lee Koons comme Miss Neko de votre jeunesse. C'est un peu con, c'est un peu phrase de vieux, mais... Attends, mais Nullivol est en train de se faire tuer. Tu fous quoi, Nullivol? Ah! Non! Il va crever! Nullivol! Utilise ton putain d'objet! Voilà. Tiens. Putain, mais quelle abrute! C'est ce Pokémon! Nullivol. Ça vous avait manqué ma rage, hein? Toi, tu as crevé, t'as essayé de tuer Nullivol. Allez. Ah! Putain, ça prend 10 000 ans! Non, il va le refaire. Bon, ok, calme-toi, Josio. Calme-toi. Capacité. Nullivol. Ah, ça t'avait manqué, Lee Koons, hein. Ouais, quand j'aurai fini Pokémon Donjon Mystère, t'inquiète pas, le sel va revenir. Parce que je vais jouer à Pokémon Platine Nuzlocke. Avec des morts. Avec de la souffrance. Arrête de péter, putain. Oh. Bravo à toi, Lee Koons. J'avais pas vu. Ah, mais Lumivol a perdu d'avis, là. Mais c'est vrai, il pète tout le temps, là. Oh. Attends, je rate l'attaque alors qu'il fait doux parfum, quand même, hein. On va encore se faire prendre par derrière, Nullivol, là. Allez. Tiens, prends ça. Allez, on va lui donner... On va lui redonner... Oh, j'ai plus de Béoran. Ouh là là, c'est la merde, ça. Allez. Ouais. Ramassez, bande d'abrutis, là. Oh là là, ils sont caqueux, hein, ces Pokémon, là. Ils servent à rien. QI. Bah, mettre des objets, tu le ramasses, l'objet, là. Oh. Abruti. Je deviens violent pour... Les pauvres Pokémon, ils y peuvent rien. Oh, des Nosferalto. Ok. Technique d'infiltration numéro 7. Voilà. Tu te retournes. Gros yeux. Allez, pète, Lumivol. Vas-y, sert à rien, là. Ah, des bons clips comme on les aime, Lee Koons. Merci. J'aime bien quand vous faites des petits clips. Ruban force. Alors, on va faire comme ça. On va donner le ruban force plus à toi. Et on va donner la baie orange à Nullivol. Équipe, qu'est-ce qu'il a? Capacité. Ah, il a quand même des bonnes attaques. Attends, on va. Équipe. QI. Ah, mais c'est pour ça. Voilà. Contrôleur statut.
QI. Friand de capacité, moi je préfère friand de capacité. Hein. Bim. Bim. Bien Nullivol, bien Nullivol. Un Pokémon qu'on n'utilisera plus jamais. Je tiens à le dire. Donc là il y a une mission hein. Il faut que je trouve Rattata je crois. Oh là 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 là. Oh non l'ultrason. Saloperie. Ah voilà. Il n'y avait pas une mission ici. Ah c'est l'étage 14. Ah ouais pas du tout ici. C'était liquide. My bad. Merci Dekuns. Ah la faim commence à se faire ressentir. Eh ben qui crève de faim. Nullivol monte niveau 16. Je dois prévenir mes amis Mucioles. Un PV, un d'attaque, un de défense. Oh les stats de merde. Oh les stats nuls quoi. Allez, on se tire. Étage 13. Drabi. Sèche. Eh mais... Frénésie. Non. Voilà. Attends, attends, attends. Il fallait que je regarde un truc. Qu'est-ce qu'il fallait que je regarde? J'ai joué 14 heures à ce jeu quand même. Je suis assez étonné. Ah oui, c'était recrutement. On peut recruter personne, ok. Oh, la fin nous fait tourner la tête. Oh mince alors. Mais ils avaient qu'à manger avant de partir, hein. Oh, le gangbang. Ok, Lumivol, à toi. Fais doux parfum. Voilà. Voilà ça qu'on veut. Oh non, j'ai peur. Oh. Mais il me défonce. Lumivol, c'est le moment de m'aider. Lumivol, attaque rayon lune. Non. Oh rayon lune, il m'a sauvé. Ah. Il va me tuer. Le fils. Voulez-vous demander du secours au moyen d'un signal de détresse ou d'un mot de passe? Non. Mais bande de Pokémon inutiles! Gangbangé par des Nosferalto. J'avais pas vu que ça avait fait grincement. On a échoué hier. Alors essayons de faire mieux ce coup-ci. Flap, flap. Oh, j'ai perdu à Pokémon Donjon Mystère. Ah. Oh my goodness. Mes objets. Eh hey, j'ai perdu des objets là. Ok, alors là, mission. Grotte Lapis. Ah oui, prendre le courrier. Les 7 merveilles Pokémon. Les mystérieux pieds de Topiqueur, l'intérieur de la coquille de Fort Retresse, l'intelligence caudale de Girafarik, la variété des motifs d'Arbok. Nous attendons les propositions de nos lecteurs sur d'autres mystères Pokémon. Équipe chasseur de mystères.
Ah ok. Travailler en équipe. Bien employer les membres de son équipe. Quand vous êtes dans un donjon, il est vital d'utiliser vos coéquipiers. Si on vous attaque de côté, bougez à verticale. Si c'est par en haut ou en dessous, horizontalement. Ouais, c'est logique. Plusieurs Pokémon combattent ainsi un seul ennemi. Changez de tactique si vos coéquipiers se déplacent mal. Grand ravin ou bois sinistre. Bois sinistre, j'ai déjà un truc à faire. En fait, j'ai perdu trop d'objets là. Alors, il me faut une baie orange, il me faut une grosse pomme et. Baie cerise. Baie orange. Alors. Je l'ai verte, retirée. Oulala, j'en ai plein! Merde! Ah! Qu'est-ce que c'est? Qui augmente la puissance de la capacité en raccourci du Pokémon. N'a parfois aucun effet sur certaines capacités. Ok. Oh là là, toutes les CT que j'ai. Attends, est-ce qu'ils ont toujours... Ils ont perdu les objets qu'ils avaient. Non. Oh, mes objets cheatés. Oh, tu perds les objets. Oh, c'est trop... En fait, il faut vraiment pas perdre, hein. Alors, on va retirer le... Ça. Donc il me faut plus de pommes en fait. Parce que là... Oh, je sais pas quoi prendre moi. Un ruban spécial, allez. Non mais ça je savais déjà. Attaque spéciale. Qui a besoin d'attaque spéciale? Bon. Bois sinistre. Bon, on va faire ça. Trouver Rhinocorne, bon, ok. Gelée verte, hein. Trouver gelée verte. Voilà, j'en ai une. Alors, du coup, si je vais dans les bois, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ah oui, j'ai perdu toute ma thune. Allez, bah c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce truc là, Hélène? Ça fait peur. Hélène, elle est complètement folle. Allez, on va prendre Nonos pour faire plaisir à Hélène. Hop. Ah ouais, t'es crevé, hein. Tiens, je vais voir si on peut lui donner une petite gelée feu ou un truc comme ça. Je sais pas si on a ça. On peut pas évoluer, mec. Oh là là.
Y'a pas des gelées rouges? Ok, ils ont pas de gelées rouges. Génial. Bon. Bois sinistre. Info. Aider Arcane. Donc ça nous fait 3 missions. Info. Trouver Rhinocorn. Ok. Affronter un puissant erreur à l'aide, je vous en prie. Et trouver gelée verte. Oh, il va me donner un ruban pêcha. Attendez 2 secondes. Ouais, j'ai une pomme géante, ça va. Allez. Bois sinistre, c'est parti. On peut pas le capturer, malheureusement. Ça marche pas comme ça. C'est que quand tu les combats. Niveau 30. Oh, en plus j'aime pas cette musique, elle est nulle. Est-ce que... Attends, est-ce qu'on peut... Recrutement. Mystère, mais sim... Oh, Simlerbe, on l'a déjà recruté. Peut-être qu'on pourrait avoir Mystère. Oh 293. Eh, hey, bravo Hélène pour le niveau 11. Ça, c'est ce que j'appelle un truc vraiment chiant labyrinthique, quoi. Comment ça se fait que t'es si pauvre? C'est une bonne question. Likun, c'est donc 3e. Bra. En fait, tu gardes tous les objets que tu avais avant de faire le donjon. Et ouais. Eh, je pense qu'à force, Miss Neko, elle vous rattrape aussi, hein. Non, peut-être pas autant. Non, Miss Herb ne veut pas nous rejoindre. Excellent. C'est vrai que je stream tard. Bim, allez Caninos. Miam miam miam, la morsure, hurlement, bora. Ok, y'a rien là. On se tire de cet étage.
Ah, Aya, elle apparaît en ce moment. C'est pour ça qu'elle n'est pas là ces derniers jours. Mais je sais pas comment on fait pour qu'on voit qui est le plus proche riche et voir qui est le podium. Et je suis assez d'accord, hein. Ce serait cool. Et comme je sais pas trop faire les commandes et tout. Pas de soucis, Alain, pas de soucis. T'inquiète, hein. Non, mais comme c'est un logiciel. Enfin. Un site. Ah. Oulala, le. Je suis déjà en train d'être mort de faim, quoi. Bon, j'ai quand même masse pomme. Ouais, enfin, elle a mis tout le monde, pas vraiment. Hein. Vu comme ils servent de nos données. Oui, Google, c'est à toi dont je. C'est de toi dont je parle, hein. Te sert de nous donner sans nous demander. Allez. Qu'est-ce que je voulais regarder? Autre. On peut avoir Armulis, Blindalis et Fouinat ici. Oh, bien. Je les pêche. À quoi ça sert cette je les pêche? Objet. Aliment qui remplit légèrement l'estomac du Pokémon, augmente le QI des membres de l'équipe de secours qui en mange, plaît particulièrement aux Pokémon de type poison. Intéressant. Ça ne sert à rien de garder autant de baies sur soi. On ne se fera jamais attaquer autant de fois dans le donjon. Blindalis veut rejoindre votre équipe. Ok, ils veulent pas. Fouinette. Nonos monte niveau 16. On se fait un combat Pokémon de temps en temps au calme, mais c'est fils de plus d'entendre ce qu'on dit et ce qu'on like, recherche, etc. pour nous balancer des pubs et peut-être même qui, pour des raisons obscures, mais c'est con, ils ont mis Adblock, du coup, zéro pub, lololol. Ok. Non, c'est même pire que ça en fait, c'est que ils vendent nos informations. Les sites sur lesquels tu vas, les trucs, les sites, les recherches que tu fais, ce que tu écris. Tout, tout, tout. Adblock ça aide un peu, mais il faut plutôt prendre des. Des trucs comme Ghostery qui enlève le tracking. Ouais, mais en fait tout le monde sait, mais tout le monde s'en fout, c'est ça qui est horrible. On fait rien pour changer les choses. Tout.
Oh, mais c'est long ce jeu, il se passe rien. Bon, on va rush. Hein. Ah, je le vois, il est tout à gauche. Arcanin ! Voilà, on l'a sauvé. Il a la classe, Arcanin. Ah là là. Arcanin. Il est joli son nom quand même. Arcane Canin. Maintenant que j'y pense. Et puis il est beau. Oh, Coxie veut se joindre à nous. Waouh, niveau 7, 35 PV. Comment ça s'écrit ça? Coxis. Ok, ça s'écrit comme ça. Tu as tout à fait raison, les Koons. Dans mon dictionnaire, cela s'appelle de l'attente. L'attente à la vie privée. Attends, c'est pas un truc interdit par la loi, ça? Oui, c'est interdit, mais comme tu signes, tu acceptes des conditions d'utilisation, ils ont le droit. Re, Miss Neko. Est-ce que tu veux avoir le nom de... du coxy? Ça m'étonnerait, hein. Pardon. À moins que tu aimes vraiment Coxie, j'appelle Coxie Miss Neko, mais bon, un Coxie quoi. Bon, je pense que tu voudras pas. Mon côté obscur schizophrène. Il a 35 PV le machin, il va pas faire long feu hein. Le coxy s'est sauvé. Ah non. J'ai un truc à faire à cet étage, non? Ah, le rhinocorne. Ouais, on va pas mettre deux fois la même coxie nulle. On aurait pu, mais... Il est peut-être monté d'un niveau, hein. Oh, il apprend Ultrason. Qu'est-ce qu'il a comme attaque? Waouh, charge et Ultrason. Bah j'ai perdu en fait quand t'es parti, tu as raté ma première défaite dans ce jeu. Et je sais pas trop quoi faire en fait, je m'ennuie un peu là, je t'avoue. J'aime bien aussi quand mes amis changent de niveau. Oh, il gagne pas mal de PV quand même. Oh, les stats!
Oh, c'est chiant. D'accord. Non traître. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah tiens, manger. Tu veux être un Evoli? Ouais bah encore faut-il en trouver hein. Si on trouve un Evoli, je l'appelle Miss Neko alors. Ça te fait plaisir. Et toi tu veux être quoi Likuns? Un Gobu? Ok. Ah oui. Équipe QI. Non traître. Info. Si le Pokémon a le statut confusion ou frou, ses attaques ne toucheront pas ses alliés. Trop bien. Mettre des objets, on s'en fout ça. C'est moi qui l'utilise. Bah j'espère qu'on trouvera quoi. Un Evoli. Attendez. J'ai cru que j'avais bouffé une... Un membre de la famille de Monaflamit. Dis donc, t'as beaucoup de... Oulala. Niveau 10. 3 PV, 3 d'attaque, 3 de défense. Eh, hey, il gagne des bonnes stats quand même, Coxie, hein. Attendez. Équipe. Coxie. 27-19. Nanos, qu'est-ce qu'il a, lui? Ouais, il en a quand même plus. Au moins, les Pokémon insectes sont rapides à monter. Oh là là, le couloir géant. Si tu meurs, je suis là. Bim. Allez, Hérissandre, gros yeux, vive attaque. Béoran. Ah, c'est bien ça. Mon dieu, j'ai tellement d'objets. Tu reçois des pièces. Bah, c'est juste que tu... Peut-être que c'est parce que tu parles beaucoup. Qui sait? Ah bah tiens. Oh, on peut pas. Un sécateur ou toute Coxie, Axoloto, Balignon sont des recrues potentielles. Mais on peut pas. Mais j'avais déjà vu qu'il y avait des parcours. On peut pas le recruter malheureusement. Dommage. Attends. Je comprends rien de ce que t'écris, mec. Miss Neko. Je me demande quel niveau tu as. C'est vrai qu'on... C'est dommage qu'on puisse pas mettre le top level et tout. Après, c'est pas non plus le but de faire un concours entre les viewers, tu vois. C'est plus pour vous récompenser de votre présence. Montrer que vous êtes très présent ou que vous venez souvent.
C'est chouette de monter de niveau, quoi. Non, par contre, évite de spam, Likun, s'il te plaît. C'est un peu lourd, quand même. Je vais te time out, mon petit. Coxis monte au niveau 11. Il gagne 3 de chaque, hein. Eh, mais il est étonnant, ce Coxy. Allez, Coxy, tu peux le faire. Oh oui. Allez, Coxy. Attaque, Coxy. Oh, Coxy qui tue le Balignon. Coxy n'est peut-être pas si désespérant que ça. Noix de coco. Oh, c'était une résugraine! Oh, mais ça, je prends, hein. Salut, Jimmy! Oh, le gars, quoi. Comme il se la pète! Ah, je vais quand même prendre une résugraine sur moi. Hein. Ah. Merci. Quoi? C'est meilleur que Noria et sa tête chelou capap. Faudrait que je fasse des petits... des trucs bonus si vous vous abonnez ou un truc comme ça. Je vais réfléchir à un truc à faire. Et toi, Jimmy, tu as déjà joué à Pokémon Donjon Mystère ou pas? Oh mon dieu. Ça va, tu dors pas trop longtemps? Mais mec, le machin il se réveille jamais, quoi. Je l'ai ivoire. Franchement, non mais j'ai beaucoup trop de pommes là. Putain, on a un insecte avec nous là. Attends 2 secondes. Équipe. Il est type vol aussi, non? Insecte vol. Donc objet. Gelé ivoire, c'est pour les Pokémon vol. Ah non, type normal. Oh la merde. Éclair. Glace, ok. Déception. Non, vraiment? Ah, t'étais sur son stream? Pour voir Final Fantasy. Thank you.
Pourquoi il s'est fait engueuler? Ah! Je me disais aussi que... Non, mais pourtant il est pas vraiment... Il y a personne à côté de lui. Ok. Je pensais pas qu'il avait des vis-à-vis. Putain, mais qu'est-ce que ces bruits là sur mon téléphone? Je suis en train de faire tout un détour. Bon, de toute façon, vu les pommes qu'on a, on s'en bat un peu les steaks. Et je sais... Miss Neko, du coup, t'as pu rejouer à Fortnite ou pas? Ah ouais, non, mais ton clip il est excellent. Faudra que je le revoie après. Oh, le coxie qui a défoncé le Hutout. Bon, allez. Là, on a une mission à l'étage 13. Voilà. Pourquoi j'ai l'attaque comme ça? Je sais pas. Merci de m'avoir porté secours. 400 poké. Et résugrain. Merci d'avoir secouru Rhinocorn. Ah bah voilà. La récompense, un ruban pêcha. Et je l'ai doré. Oh merde. On a bien travaillé, n'est-ce pas? Restons-en là pour nous. Allons nous reposer. Allez, pour finir ce live, parce que je pense que je vais... On va voir. Si ça va vite, j'en ferai deux, sinon j'en fais plus qu'un. On va aller au... Oups. On va aller à la grotte Brouhaha pour trouver des châtaignes. Mais juste avant... Alors, ruban pêcha, ça sert déjà à quoi? Ça empêche d'avoir le statut. On va aller stocker les objets d'abord, avant toute chose. Bonjour, Josio. Oh là là, il vient à chaque fois. Plop. Tadam. Agrandir votre équipe. Si vous voulez agrandir votre équipe, vous devez d'abord obtenir des zones d'accueil. Quand vous battez un Pokémon d'une zone obtenue, il demandera peut-être à joindre votre équipe. Ajoutez de nouvelles zones d'accueil pour recruter plus de membres. Mais pas plus de 3 Pokémon peuvent entrer dans un donjon. Ah, pas plus de 3 Pokémon peuvent entrer dans un donjon. Se déplacer en diagonale. Déplacez-vous en diagonale pour éviter les ennemis. En maintenant R appuyé, utilisez gna gna gna. Il est aussi très important de changer d'orientation sans bouger. Consultez aide pour savoir comment faire. J'aime bien qu'ils t'apprennent ça à la fin du jeu, quoi. Pour finir, on regarde mon clip. Alors, on va déposer ça, ça, ça. Je crois que je vais garder la résugraine. Hein. Besserise 2, ça sert à rien. Et bravo pour ton niveau 6, Miss Neko. Alors, gelée argent. Type acier. Gelée dorée. Type psy. Ok.
Bon, je vous propose que pour cette dernière mission, on va prendre Magnéti. J'aime bien prendre J-Krong. On va juste voir s'il n'y a pas par hasard des missions au bois bois, là, au truc bois. Parce que là, nos missions... Ouais. Comme ça, toi, tu es quoi? En fait, Jimmy, je crois que Lee Koon, c'est envie que tu vois le clip qu'il a fait de... Qu'il a fait. Mon glacial noir dans mon acier. Ouais, bon, bref, tant pis, on s'en fout. On va voir s'il y a un truc intéressant à acheter. Pomme géante. Ouais. Merde. Qu'est-ce qu'il a? Plénitude! C'est fort ça. Protection. Le lanceur uniquement, ok. J'aime bien. Il y a Gobu, je crois, qui est sur le stream, mais qui ne parle pas. Bois bois. Allez, c'est parti. Un peu cher quand même, Plénitude 8000. Hein. Mon Gobu qui ne parle pas beaucoup. Peut-être qu'il est en train de bosser à un côté. Hein. Est-ce qu'on peut... Recrutement, Grenipio. Oh non, mais on a déjà Grenipio. Sympathique les dégâts. Bon, hier il y avait bien Lunatique qui était affichée, mais elle a parlé une seule fois. Donc je sais pas, peut-être que des fois ça bug. Hein. Peut-être qu'il est passé juste 2 secondes et que ça a pas actualisé. Je devrais pas faire l'affiche comme ça des gens. Peut-être qu'ils ont juste pas envie de parler et envie de suivre le live comme ça. Hein. Oh là là, mais il est chiant, Mimitos! Bah dis donc, j'espère qu'on va retrouver le truc, le ruban qui fait que je perds pas trop d'énergie. De toute façon c'est simple, c'est seulement si Mikuya elle donne de l'argent à Gobu qu'il est là. Crame-le, fais-en un minutos. What the fuck la distance. Alors attends, capacité. Allez. Encore un Grenipio. Attends, Lee Koon, tu voulais pas Grenipio toi? Qu'est-ce que t'avais écrit avant? De la famille de Monaflemite à la Casa Mectoplasma. Ah non, Ludicolo, tu m'as dit. Oh non, je ne veux pas de lui avec moi. Hein. Ciao. Bon,
Ouais, t'as dit Nénupio. En plus, on en a déjà un, donc on va pas reprendre. Je savais pas qu'on pouvait en avoir plusieurs. J'en suis encore à l'étage 1 parce que j'explore. Ok. Faut que j'arrête de tout explorer, hein. Il a l'air tanky, Mimitos, hein. En fait, la mission que j'ai, c'est de chercher des châtaignes, hein. Juste pour vous rappeler. Oh, les dédales, quoi. Bon, Hérissandre. Bah voilà, t'as pas beaucoup de roues de feu. Je vais bientôt avoir un problème d'estomac. Je crois que je vais rush, hein, parce que avant on avait le truc OP qui nous permettait de réduire l'estomac et tout là. Mais là on a plus. On va rush. Oh, il pleut. Oh, le bonus. On est dans un donjon mais il pleut, hein. En fait, l'eau elle s'écoule par les canalisations, tu sais. Non, je ne veux pas de toi. Oh là là, il force le Granipio, hein. Déjà, oh là là. Granipio. Bim, paralysé. Il faut que je trouve des châtaignes. Ça marche. Bah écoute, bonne soirée à toi, Alan. Repose-toi bien, prends soin de toi et un bon week-end, un bon repas dimanche, hein. Un bon repas japonais. Ciao ciao.
faim commence à se faire sentir. Ah bah la sortie était bien là, parfait. Oh, y'a Pifeuille qui peut nous rejoindre. Ça, ça pourrait être cool. Le nombre de gelées... Attends, qu'est-ce qu'on a comme gelée? On a deux gelées plantes et une gelée verte, ok. Il faudrait favoriser plutôt la gelée verte, quoi. Voilà, voilà. Donc on va... Qu'est-ce qu'on va jeter? Oh, 3 BP chat, c'est beaucoup trop. Il repleut. Allez, vas-y. Oh, pourquoi il veut pas rejoindre? Oh! C'est une maison de monstres! Ok, je me suis fait gangbang, ça existe ça. Trop bien la musique. Capacité. Bim. Qu'est-ce qu'il fout? Voilà. Où a-t-il fui?
N'empêche, c'est sympa comme petit événement. Est-ce qu'il peut arrêter de fuir ce connard? Ils sont où? Bon bah tant pis. Je ne sais pas où ils sont. Oh il est là. Tiens. Tiens. Voilà, niveau 30. Lui, je l'ai vu là-bas. Essaie de fuir là. En fait, les Pokémon apparaissent à l'infini. Il a plus qu'une capacité. Ok, il a plus de capacité du tout en fait, Erisand. Oh, il est là! Oh, le connard! Arrête de me fuir! Vas-y, joue à cache-cache ce con. Tiens. Plus jamais tu me fuis. Oh. Oh les sommes que je trouve. Qu'est-ce qu'il y a là en bas? Gelé encore. Encore ? Ouh là là. Lol. Niveau 20 pour J-Krong. Ces pièces. Niveau 31 pour Erisand. Regardez toutes les pièces. Les pièces que je trouve. Bon, on va rush hein, parce que s'il y a des maisons de monstres comme ça tout le temps, ça peut être chaud quand même. Hein. J'ai plus de PP.
Il faut qu'on trouve... Remis Neko, t'as raté. Eh mais j'ai découvert des trucs que je connaissais pas. Non, je ne veux pas de toi. Oui, on a déjà fight en fait, lui. Quelque chose qui donne un peu de piment. Pas de soucis. Bah en fait tout le monde est parti. Les maisons de monstres, je ne connaissais pas. J'en ai eu deux fois de suite. Ah, la faim commence à se faire ressentir. Ok, il y a des féro singes, alors c'est-à-dire qu'on peut commencer à trouver des... C'est quand t'as une salle avec beaucoup de monstres d'un coup. Merde. Autre. Ah, on peut pas avoir des féro singes. On va voir si on en trouve d'autres. Je pense que c'est à partir de ce moment-là du jeu où tu peux en avoir. Il faut que je trouve au moins une châtaigne, sinon j'aurais fait tout ça pour rien. Je sais pas combien il y a d'étages dans cet endroit. C'est un peu dangereux quand même de faire ça sur un Pékin qui fait patience. Par contre, niveau thune, on a ramassé tellement d'argent. Il y avait un étage où il y avait plein de fois 300 pièces. Non, 100 pièces, j'exagère. Éclair, ça fonctionne pas? Attends, on va checker un truc. Info. Ah, c'est devant, ok. Châtaigne! Oh, il faut que je la trouve. Quel est le féro singe qui a ramassé la châtaigne? Parfait. Bon, alors attends. Ouais, bon, les beurrants, on en a beaucoup trop. Oh ouais, parfait, il y a plein de châtaignes. Yes. Qu'est-ce qu'on peut enlever? Attends, déjà... Bon, allez, franchement, les pommes... Voilà. Plus on en a, mieux ça, comme ça on pourra construire notre base. C'est nickel, au moins deux. Peut-être qu'on va avoir piffé avec nous. Non, il veut pas nous rejoindre lui. Bon ben... Relicoons. Dernier étage. Pourquoi mes PV sont mon attaque est en rouge? Bon, je vais quand même en refaire une de mission, si vous êtes motivé. Alors dites-moi la mission que vous aimeriez que je fasse. Enfin, peut-être qu'il va se passer un truc, en fait, maintenant. Je parle un peu trop vite. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Bonjour Josio. Plop. Ah oui, j'avais donné quoi comme voix au féroce singe? Une voix un peu aiguë. Non, pas comme ça. Tu nous amènes une châtaigne sans bug? Oh, une châtaigne! Nous voulons une châtaigne sans bug! Allez, donne-la nous! En échange, on travaillera dur! Josio enlève la bug pleine de piquant et donne la châtaigne. Oui, une châtaigne! Allez les paresseux, au travail, et que ça saute! Pouvez-vous arrêter de flâner? Au boulot! On va se dépêcher de rénover ta base! Bah j'aimerais bien faire la mission principale en fait. Ainsi réapprovisionnant en châtaigne, le gang des féroces singes retrouva sa motivation et recommença à travailler à la rénovation de la base. Et finalement, la base fut terminée! Oh! Enfin! Ce jour est enfin arrivé! Josio, c'est terminé, enfin! Notre base, la base de l'équipe, je refuse! Oh là là! La gueule du truc, quoi! Ah, c'est génial! Chaque fois que je regarde notre base, tout ce que je vois est fantastique! Cette ressemblance avec toi est charmante, Josio! On a tous travaillé dur! Oh merde, qu'est-ce que ça vaut déjà à lui? Culbute, ok? C'était dur, mais ça en valait la peine! Culbute, ok? Les amis, merci! D'ivoire! Je voulais te demander! Si la rénovation de la base est enfin terminée, est-ce que ça veut dire que tu ne vas plus nous apporter des châtaignes? Ah ah ah, bien sûr! Les travaux sont terminés, un grand merci au gang des féroces singes. Féroce! Quoi? Ah bah quoi? Wow, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Conséquence des efforts désespérés de tous pour stopper le gang des féroces singes, la base fut sauvée. Quant au gang des féroces singes, ils promirent d'arrêter de tout saccager. En échange de plus de châtaignes, ils retournèrent dans leur forêt. Et c'est ainsi que la rénovation chaotique de la base de l'équipe de secours fut achevée. Le lendemain matin... Oh là là, le grand luxe! Bonjour Josio. Grand ravin, mont acier, grotte éclair. Les secrets de la gelée. Des recherches ont montré que les gelées non seulement augmentent l'intelligence, mais ont aussi des effets différents selon le type. Partagez vos gelées avec vos amis et devenez plus intelligents. Dans les donjons, lancez-en à vos amis, utilisez-les dans les zones d'accueil. Il n'y a plus de maison de mission principale là. C'est fini? J'avoue. Bessuris Fravorant. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait les gens? Parce que la mission principale, il n'y a pas, hein. Laser glace. Ok, alors attendez. Je sais pas si c'est la fin, non, je pense pas. Ok, c'est parti. Moi, je pense pas que ce soit la fin. On sait pas où est Alakazam et compagnie, hein. Oh! Oh! Je peux
peut lui apprendre Laser Glass. Oh putain, bois hurlement, c'est nouveau ça. Eh bien, il y a des missions qui s'accumulent là. Ah, faudrait que je fasse la grotte lapis. Au pire, ça je ferai la prochaine fois. Mont ardent, mont glacial. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, dites-moi. Bois hurlement. Je me rappelle pas du bois hurlement. Je suis bleu là, équipe de secours bleu. Je pense pas que ça soit fini hein. Le jeu est pas si court. Qu'est-ce qu'on va prendre? On peut pas voir ses capacités. Ah oui, capacité. Vive attaque, clairvoyance, charge, reflet. Niveau 12. Et quoi active la mission principale? Attends. Regarde, y a pas de mission principale. Peut-être qu'il faut aller voir les... ici. Regardez, bois hurlement, j'y ai jamais été. En plus, on est que aux missions de type B. On n'a pas encore A ni S. Appel au secours de Colorior. Je ne veux pas devenir adulte, alors j'ai fui, mais j'ai perdu mon chemin. À l'aide. Mission spéciale. Ah. Je pense que c'est ça. Appel au secours de Colorior. Quel titre intrigant. De quoi s'agit-il? Jetons un œil. Josiel il annonce. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Colorior. Oui, j'ai fait Sulfura, Articodin et Elector. Ah non! Non, 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 il fallait que je fasse quelque chose pour eux, mais je me rappelle plus ce que c'est. Bon, on retournera au Mont Ardent, on verra ce que ça donne. Mon ambition a toujours été de devenir un grand artiste. Un jour, il s'est produit un événement d'une nature déterminante. Refusant de devenir adulte, j'ai choisi de prendre la fuite. C'est alors que je me suis perdu. Je me trouve maintenant égaré dans cette forêt, incapable de trouver le chemin du retour. Je suis perdu quelque part dans le bois hurlement. S'il vous plaît, quelqu'un doit m'aider. Il dit s'être enfui parce qu'il refusait de devenir adulte. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne comprends pas très bien, mais... Allons sortir Colorior de là. La forêt dans laquelle Colorior s'est égaré. Le bois hurlement est maintenant accessible. Parfait. On a une nouvelle zone. Bon, je ferai le mont ardent et la grotte Slappy lundi. Je pense qu'il faut que je retourne voir Sulfura, comme dit Miss Neko. Bon, qu'est-ce qu'on prend avec nous? Absol? Bon, on va voir Absol. Avec un grand sourire. C'est pas mal quand même Absol ce qu'il a. Vous préférez quoi? Absol ou Magnéti? Cette musique. Je glisse sur le sol. Bon, puisque vous ne semblez pas répondre, je vais choisir absolument. Allez, on va prendre Absol.
par contre, on n'a pas de... Il faudrait aller après au donjon mid-magma. Mais je l'ai pas encore, celle-là. Neko qui me... Miss Neko qui me spoil... Enfin non, tu me spoil pas vraiment. Je l'ai pas, regarde. Ah bah voilà, Absol. En fait, quand j'étais au Mont Ardent, il y avait deux chemins possibles. Et quand j'étais... Voilà, il y avait forêt givrée ou... Ou chemin neigeux. J'ai pris la forêt givrée, je crois. Bon, on verra bien. T'as des Pokémon ténèbres par ici. Oh! Aéropiqué! Moi, ouais, je vais faire la quête Kiloria. Fruant de capacité, bon. Trempette, lol. En fait, je suis malheureusement obligé de faire la quête Kiloria parce que c'est la seule quête un peu spéciale qu'il propose. Et ça débloque une nouvelle zone, donc je pense que c'est ce qu'il faut faire. Oh, le morsure. Attends, juste voir. Malos Mediena Spoink. Oh, trop bien. Mediena et Malos, j'aime bien. Oh non, il va... Oh non, il va fuir, ce con. Mais on n'a pas déjà été ici? La grotte hurlement, ça m'appelle un truc. Tu vas aller bientôt... Rebond d'orbe. Ok, d'accord. J'ai hâte de voir ça, là. Info. Donne le statut mini-riposte au lanceur. Les dégâts des capacités stats physiques et des attaques ordinaires sont partiellement envoyés. Ok. Il faut que j'ai la capacité recyclage. Ok, bah si on a un Malos, on l'appellera comme tu veux. Voilà, ça sera toi qui choisis. Oh, mais je m'en fous, c'est pas grave. J'utilise bien Caninos des fois. Par contre, on va peut-être éviter. On va peut-être éviter qu'il utilise toutes ses capacités comme ça. Secourir que l'Orient. Mais on sait même pas où c'est. Ah, c'est tout à la fin du donjon. Donc il faudrait que je cherche la sortie plutôt. Surtout que comme un con, j'ai pas de pomme. Oh mon dieu, c'est la merde. Faut qu'on rush. Désolé, je vais devoir rusher. Hein. J'ai pas de pomme. C'est la merde. Échappe orbe, nettoie orbe. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces orbes là? Les objets collants sont nettoyés et sont de nouveau utilisables. Quoi? Vas-y, je vais rush. Le nombre de souffle orbe. Oh, la brûlure. 5 PV. Tiens. Voilà. Ça donne beaucoup d'XP tout ça. Mais attends, il y a combien d'orbes ici? Oh oui.
T'en es jeu. Ça, c'est aussi nouveau, le truc de la... Brûle pas, brûle pas, brûle... Oh là là. Oh! Alors, comment on l'appelle? Est-ce qu'on t'appelle Miss Inou? Ah, moustique. Ok. Yo, Jimimi. Non, mais elle avait déjà demandé, malheureusement. Miss Neko avait demandé avant. Moustique. Est-ce que j'ai pas des gelées qui augmentent tes Pokémon ténèbres là? Pokémon seul. Bah oui, mais elle a choisi son nom quoi. Et puis Miss Neko pour un chien, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Miss Inou encore, tu vois, j'aurais pu. On aurait pu. J'aime bien Jimmy qui arrive dès que je capture un Pokémon pour qu'on lui donne son nom. Oh, mais j'aurais dû l'appeler Jimmy alors. Bon, ben Jimmy, si c'est un Pokémon que Lee Kunz ne veut pas, c'est toi qui choisiras le nom. Voilà. Ah, c'est le nom de ton chien. Moustique pour un chien. En gros, si c'est pas un ectoplasma, un alakazam, un long... Enfin, un enupio. Tous ceux que tu m'as listé avant, on laissera Jimmy choisir. Oh là là. Date brûlure. Ouais, je devrais rush, effectivement. Abruti. Oh, comme il a fait un pas de côté. Mon dieu. Non, pas, je sais pas beaucoup de Pokémon. Oh, hein. Un BG australien de 30 kilos, moustique. Oh, mais j'aime pas rush comme ça, mais bon. Il faut que je rush. Oh! Tempête de sable. Je vais rater mes attaques, c'est ça? Il fait grondement, mais... Capacité... Purée de poids! Qui provoque des dégâts régulièrement. Parce que c'est aléatoire. Ah! À cause du mauvais temps. Aïe aïe aïe. 29 PV! Mon dieu.
Écrase-orbe. Mais il y a combien de ces orbes de merde, là? Oh là là. Échappe-orbe. Info. Permet à l'équipe de secours de s'échapper du donjon. Alors, franchement... Poser. Lanceur bondit sur le Pokémon en face, quelle que soit la distance. S'il n'y a pas de Pokémon, le lanceur saute sur le mur. Ok. Bim. Aïe. Pétrigraine. Quoi, c'est écrit quoi? Aliment qui inflige cette pétrification au Pokémon. Le Pokémon ne peut rien faire. Mais c'est horrible cette tempête de sable de merde là. On prend la douleur là. Aïe! 53, attends. Est-ce que je perds plus de PV? Mais... Ah, où est cette putain de sortie? Aïe, 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 aïe. Ça fait très mal, ouais. Où est la sortie? Oui, j'ai remarqué. J'ai bien trouvé la sortie. Non, mais... Please, quoi. Sortie! Mais non! Oh, et j'ai presque pas de baie. Please, plus de tempête de sable, s'il vous plaît. Ouf. On va récupérer de la vie. Mon dieu. Oh, bravo pour ton niveau 13, Lycouns. Bon, je vais me balader un peu ici pour récupérer de la vie, hein. Il suffit que le prochain étage ait une tempête de sable et c'est la merde. Bon voilà, on a récupéré la vie, on va retourner là-bas. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? On a changé de zone. Ça va te faire foutre, Mikuya. Ébloui graine. Alors attends, alors franchement, objet lancé. Objet lancé. Objet. On a besoin que d'une. Voilà. Au sol. Je ne sais pas du tout. On sait pas. Regarde. Autre objectif. On sait pas. Ça n'a pas été dit. Bah en fait t'as 80% de chance de recevoir des pièces. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui.
Éblouis Graine, à quoi ça sert? Qui donne le statut éblouissement au Pokémon, rend les autres Pokémon, les objets au sol et le sol indiscernable. Quoi? C'est de la merde ça. Vas-y, on va tester pour le fun. Ah. Ce n'est pas une bonne idée. Pokémon perd 30 PV. What the fuck? Plus jamais je fais ça, hein. Alors lui, regarde. Objet. Je crois que c'est ça. Oh, la générosité de Lickuns. Ah, tu voulais donner de la thune et tu savais pas comment faire? C'est tout simple, je vais vous le dire. Commande. C'est comme ça. Vous suivez le modèle. Genre là, hop. Voilà. Pour voir, c'est point d'exclamation C-O-I-N, coin. Merde, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah bah voilà. Il suffisait de demander. Oh non. Moustique. Moustique. Non. Moustique, attaque. Oh oui, il l'a fait fuir. Oh, il faut... Où suis-je? Je me suis perdu. Oh non, moustique. Moustique. Pute. J'ai pas vu qui c'était. Voilà, ça c'est les histoires à cause de... D'argent, là. Non, moustique. Moustique, il s'est fait combo-griffer par... Putain. Mais pourquoi ils sont enfuis, là? Pourquoi les Pokémon ils me suivaient plus? J'ai pas compris. Bon, on va se tirer de là, hein. Cet endroit c'est de la merde, hein. Moustique. Quoi? Ah mais c'est de l'eau! Mais mes Pokémon ils vont décéder. Ils vont décéder. Oh là là. Temps nuageux. Qu'est-ce que c'est que ce temps? Démolos. Ça devient difficile le jeu quand même, hein. Attends. Équipe. Autre. Recrutement. Rukul ou Karatrok. Ok. On peut pas avoir Démolos, on peut avoir Rukul ou Karatrok. Oh oui. Bois de chêne. Oh, un gros ray. Il a plus de 70 PV.
445 points d'XP. Waouh. Ok, là on peut pas passer. Tu t'amuses bien? Il y avait un Demolos, ouais, il a ramassé un truc. Oh, Karatrok. Ah bah voilà le Demolos. T'as, il a donné combien? Ok. Comment tu sais qu'il avait que 100? Non! Ne lui augmente pas ses attaques de type feu, Hérissande, là. Oh là là, Pokémon débile, là. Alors moi... Où est cette sortie? Je n'ai rien dit. Bois hurlement étage 10. Oh, Grayena. Stylé. Est-ce qu'on peut avoir Grayena ici? On recoule les Karatrok. Ok. Résugraine. Alors les Résugraine, je crois qu'on va les garder, hein. On va faire ça, on va utiliser ça. Oula, il y a beaucoup de trucs dans cette salle. Pourquoi frelon? Ah oui, moustique frelon, d'accord. Tant qu'il est Karatrok, hein. Et là, objet pétrigraine. Graine vide. Quoi? Oh, ça va utiliser la résugraine pour mal. Pour. Sérieux? Ah, t'es pétrifié, hein, mon con. Laser glace. Ok, alors, vous savez quoi? Voilà. Merde. Oh, ça donne masse XP. Regarde, on va tester. Capacité. Non, on va faire mieux. On va les mettre en ligne. L'alignement des étoiles. Oh, il l'a défoncé. Oh là, il me demande des étoiles. Attention. Et là. Mais non, mais quelle abruti dérissante qui fait trop mal là. Putain. Radar orb. Ah, oh, ça peut être pas mal ça. Lancer. Hop. À quoi ça cet objet? Info. Signal où se trouvent les ennemis de l'étage. Bon, niveau estomac, on est un peu dans le caca, hein. Mais on va explorer, on va utiliser la grosse pomme. Allez, hop. Après, j'arrêterai le... Après cette mission, j'arrête de toute façon, donc. Là, y'a rien. Là, y'a rien. C'est un... presque un peu con d'utiliser la grosse pomme. Ah, on est qu'à étage 10, on sait pas jusqu'où ça va, en fait. Ok, alors lui... Laser glace. Mais c'est de la merde. Moi je pensais que ce serait un putain de laser et tout. C'est un espèce de petit machin merdique là. Oh, une pomme. Alors ça, ça je m'y attendais vraiment pas. Ah, faut les revendre. J'avoue, quand tu vois que ça coûte 8000 pour plénitude. Et pour laser glace aussi d'ailleurs. Tiens, je vais utiliser le radar ici.
Radar Orb. Putain, il fait mal, hein. Ah, voilà. Bon, on a trouvé la sortie. Cool. Oh là là. D'un coup, on a eu 280 pièces, hein. Aïe. Ah, mais faut qu'on fasse gaffe aussi à la tempête de sable, tiens. Plénitude. Plénitude. On a plénitude, quoi. On a des CT qui coûtent 8000, hein. Gelée orange. Je crois qu'on a jamais eu celle-là. Pétri. Au rebond. Arme. Mais je sais pas. T'as envie que je le finisse, c'est ça, pour voir ce qui va se passer? Oh, allez, viens là, toi. Oh, Rafale Psy. 3 PV. Oh, brûle. Ah, est-ce que je peux capturer Ramboom? Non, Roukoul ou Karatrok. Type combat, ok. Peut apprendre plénitude et que ce soit intéressant. Bah on verra, je peux la stocker, hein. Parce que genre si j'ai un garde-voir, moi je dis pas non, hein. Oh, Karatrok. Karatrok. Oh oui, bon bah je suis désolé. Je vais choisir le nom pour Karatrok. Enfin, à moins que vous ayez une idée plus drôle, je voulais l'appeler. En majuscule. Bon appétit, les Koons. Le tank. Qu'est-ce que vous en pensez? Casse-noisette? Pourquoi casse-noisette? C'est le Pokémon qui a le plus de défense du jeu, je crois, hein. Défense et défense spéciale, mais des PV nuls. Il me semble. Et ça rentrera pas Casse-Noisette en plus. Regarde. Déjà, même Noisette, je suis pas sûr que ça rentre. Noisette, ah, ok, Noisette ça rentre. Ah mais je vais l'appeler, de toute façon on va jamais l'utiliser, Karatrok. Je vais l'appeler le tank, allez. Pense quand même un petit moustique qui est mort durant ce donjon. Oui, pauvre moustique. Alors attends, il faut qu'on regarde. Capacité. Repli. Waouh. Constriction. Waouh. Ligota. Waouh. Putain, que des attaques de merde. Le pigeon ancien utilise les 4 dernières capacités. Non, ça c'est dangereux, ce machin. Et voyons voir les stats. Il a autant d'attaques et d'attaques spéciales que ça? Ah mais j'ai pas pensé à regarder Pokémon pourri.
Attends, mais... Fermeté bloque les capacités permettant un chaos en un coup. Ah, j'ai oublié de regarder ça. L'assaillant dépense plus de PP lorsqu'il utilise une capacité. Ah, ça, c'est vachement cool. Capacité. Jamais pensé à regarder les... ça. Hein. ...65 PV au niveau 15, quand même. Hein. Pourquoi il attaque comme par hasard Karatrok? Oh, il lui a fait ligotage. Tiens. Absolument, petit 25. Gros rat, ça donne quand même beaucoup d'expérience. Hein. Bon, allez, on va aller vers la sortie, là. Hop! Quand est-ce qu'il se termine, ce donjon, j'avoue? Étage 12. Non, il se fait attaquer! Oh, non. Il faut aller le sauver. C'est un démolos, en plus! Arrête de l'attaquer! Qu'est-ce que tu fous? On peut... Ok, on peut pas s'échanger de place parce que ce con... Attends. Capacité, laser glace. Non! Ok, ça passe pas au travers des alliés. En plus, je peux pas échanger ma place. Oh, il va crever. Quel abruti. Allez. Allez, le tank. Allez. Putain, on est obligé de faire la... Allez. Obligé de faire le tour. Oh, il va mourir. Mais non, mais ça, abruti de Pokémon de merde. Il utilise ma résugraine pour rien. Plus jamais je prends un Karatrok. Hein. Bon, ok, je l'ai un peu tué tout seul, mais on va rien dire. Hein. Heureusement que Lycoons n'était pas là, il serait marré. Ah, je pense que tu n'es plus là, Miss Neko. Tu aurais réagi sans doute en voyant ce combat épique. Le problème, c'est que les Pokémon que j'ai, ils sont tout nuls. Et que les Pokémon qu'on affronte sont super forts. J'ai plus de Résugrain, c'est un peu dangereux tout ça. Étage 13, putain, mais c'est long. ...23 d'estomac. La faim commence à se faire ressentir. Sa sortie. Oh, que l'horreur. Oh, je ne comprends plus rien. Où suis-je? Je ne sais pas comment sortir d'ici. J'ai faim, je suis mal.
Ah ok, t'as vu. Oh, quelqu'un ? Enfant de l'aide ! Ça ne m'a jamais fait autant plaisir de voir quelqu'un. Ok. Merci beaucoup, vous m'avez sauvé d'un grand danger. Pas de problème, Kelorior. Mais pourquoi fuyais-tu ? Ta lettre disait quelque chose comme ne pas vouloir être adulte. C'est que... Oh ! Regarde, il est là ! Ouais, je le vois, nous devons le récupérer vite. D'autres Kelorior, ils sont deux. Dis, Kelorior, que veulent-ils ? Ce sont... mes amis. Manon, viens avec nous. Le rite de passage à l'âge adulte t'attend. Arrête de te rebeller, laisse-nous appliquer les pattes sur toi sans faire d'histoire. La patte. Non. Si on doit imprimer cette patte sur mon dos, je préfère ne jamais devenir adulte. Il a déjà la patte. C'est quoi ça? Quel rite? C'est une coutume chez nous les Kelorior. Quand on atteint un certain âge, on imprime sur notre dos une marque de patte qui montre qu'on est adulte. On fait ça en prenant la patte avant et en la poussant vers le haut dos. Je ne veux pas avoir ça dans le dos toute ma vie, c'est vraiment moche. Je rêve de devenir un grand artiste et j'ai quelques exigences esthétiques. Je sais, c'est décidé. Je vais rejoindre l'équipe de secours de Josio. Je participerai au sauvetage et autres missions. Et je n'aurai pas à retourner dans ta bande. C'est ici que je veux me dévouer. Mais vraiment ? Alors nous ne pouvons rien y faire ? Nous informerons les anciens de la décision. Nous te souhaitons bonne chance dans ta nouvelle carrière de secouriste. Oh, sympa. Oh bon, visiblement on n'a pas notre mot à dire. Mais ce n'est pas grave. Désormais, tu fais partie de l'équipe. On s'attend à ce que tu fasses de ton mieux, Kelorior. Oui, merci. Un de mes points forts, c'est le dessin. Par exemple, laisse-moi réfléchir. Ah, que penses-tu de ça? Regarde le motif du drapeau. Je pourrais peut-être changer le motif du drapeau. Si tu veux changer le motif du drapeau, tu dois me le dire, s'il te plaît. On va l'appeler... On va l'appeler Gribouille. J'aime bien ce nom, Gribouille. C'était Fildron qui avait appelé un Pokémon qui avait... l'attaque Gribouille, je crois. J'aimais bien. Gribouille. C'est chou. Je trouverai un endroit à moi sur le plateau azur. En attendant... En attendant... Ok. Ah. Bon, on a perdu et Karatroc et Malos. C'est vraiment pas facile, hein. Parce qu'en fait, mes Pokémon sont tellement élevés. On va voir ce qui se passe maintenant. Erisson, bonjour, Josio. Plop. Le donjon ultime. Le donjon ultime vous invite à donner le meilleur de vous. On dit qu'il existe quelque part dans le monde un donjon super dur. On y entre seul au niveau 1 et sans objet. Personne n'a jamais pu le finir. On le considère non comme un test de force, mais comme un test d'intelligence et d'esprit. Oh, cool ça. Grotte éclair, mont acier, grand ravin. Bah, j'aimerais bien changer le motif. Comment on fait? On va aller rendre visite à Gribouille. Tu veux que je change le motif du drapeau? Oui, s'il te plaît. Très bien, je ne suis pas connu, mais je n'en suis pas moins un artiste. Je vais créer un motif splendide rien que pour toi. Jette un œil au drapeau un peu plus tard. Si le nouveau motif ne te plaît pas, je tiens à le savoir. J'essaierai d'en trouver un autre susceptible de te plaire.
Qu'est-ce qu'il a comme capacité? Tempo perso. Il y a Gribouille. Copie la dernière capacité utilisée par la cible et la donne au lanceur. Voyons voir le nouveau motif du drapeau. Bah ça a rien changé. Ok. Attends, on va voir combien ça se vend. $2000 quand même, hein. Bon, écoute, Miss Neko, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais sans doute faire bientôt du LOL ou du... Bah, comme d'habitude, hein, du LOL ou du Fortnite. Et puis... Bah, la suite de Pokémon... Pokémon Donjon Mystère, ce sera donc pour... pour lundi. Alors, je vais juste voir l'objet. À quoi ça sert déjà ce téléporbe? On voit les ennemis se trouvant dans la salle à d'autres. Oh, j'aurais pu faire ça pour sauver. J'aurais pu faire ça. Bon. Ainsi, je vais terminer le live. Et bravo pour ton niveau 7. Ah, ça monte vite, hein. Et on fera le mont Ardent, je pense. Ah, mais j'ai 10 000 trucs du bois sinistre, en fait. Il a dit plus tard? Comment ça, il a dit plus tard? Hein? Ah, plus tard! Ah oui, oui, oui. En fait, on va prendre... Oh, mais je n'ai plus les... En fait, les missions changent à chaque fois. Ça, il faut que je les prenne. Voilà, on fera ces... on garde ces missions-là. J'ai pas mal de thunes. Qu'est-ce qu'ils vendent, là? Ouais, bon, rien d'intéressant. Peut-être qu'on peut acheter. Bonne soirée à toi. C'était cool que tu passes. Voilà, voilà. On va aller sauvegarder. Je vais aller prendre le courrier. Ah, mais rien d'intéressant. Allez, bref. Voilà, voilà, bonne soirée à toi et à tous ceux qui regarderont peut-être la rediff si je mets ça sur YouTube un jour. Ciao, ciao tout le monde! Bye!